Normalement, je suis en ligne. Salut tout le monde, et comme vous pouvez l'entendre, ma voix n'est toujours pas revenue. Voilà, elle s'est barrée. Elle s'est barrée bien loin, apparemment. Clairement, je n'ai plus de voix. Donc voilà, on va devoir faire avec, malheureusement. C'est comme ça. Je vais juste... Non, tout est prêt. Impeccable, voilà, j'attendais que le live se mette. Impeccable, donc on va continuer sur Zelda Wind Waker pour ce midi rétro. On est sur Eclipsia, comme d'habitude. Et où c'est qu'on s'était arrêté la dernière fois? On était à la recherche de la Triforce. On en était plutôt loin. On était plutôt pas mal. Je sais plus combien de cartes on a réunies. C'est une carte de la Triforce. 5. Ok, 1, 2. On en a 3. On est plutôt beau. On est plutôt beau. Je vais checker celle qui nous manque. Ça c'est fait. Il manque une à droite. 2, 3. C'est ça, il nous en manque 5. Forcément. Salut Ryuk, salut Daigan et salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est parti pour ce midi rétro. Un midi rétro qui va vous casser la voix, qui va vous laisser sans voix. Un petit peu comme moi actuellement. J'ai un peu niqué la game là. Clairement, samedi la Beats Cup. Hier c'est pareil, j'avais pas de voix. Donc c'était plutôt beau. Un débrief sur Tales of the Lane. Alors Tales of the Lane, qui c'est qu'on regardait déjà Tales of the Lane hier? Tu te calmes, j'ai miné. Non mais normalement je l'avais enregistré, donc ça doit être ici. Tout le monde, bah je suppose que tout le monde a regardé. Salut Kita. Ouais, on a eu du très beau jeu. Une finale curse Eclipsia superbe, un vrai BO3. Mais alors la dernière game, je dois vous avouer que j'étais un peu déçu quand même. Ils avaient pour moi ils avaient tellement win Eclipsia et ils ont niqué la game au Nashor. Ils décidaient de forcer un baron avec une composition à POC. Parce que je pense qu'ils étaient trop confiants, ils ont paniqué un peu et derrière le late game des curses était bien supérieur et ils ont senti passer les pauvres à leur détriment. Donc moi j'étais un peu déçu de cette dernière game, sinon c'est très bien, on arrive deuxième. Enfin Eclipsia est arrivé second, là où personne ne les attendait déjà de base. Et oula, tu te calmes s'il te plaît. Donc c'était plutôt bien fait. Alors on va aller voir Tingle. Normalement je peux me décrypter les... Non, je vais pas jouer. C'est ça. J'ai trouvé des cartes. Je crois qu'il demande une blinde en plus. Yes. The fuck. 398 rubis. D'accord. Ok. Bon mais clairement on va devoir économiser parce qu'il a pas l'air de rigoler lui. Ok. Yes. Ayaki prend 400 rubis par carte. C'est vraiment un chien maigre ce Tingle. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une line-up francophone là qui avance. Donc on rappelle, parce que hier ça me faisait rire sur le chat des streams. Alors que ouais, non mais arrêtez, Eclipsia, c'est pas des FR, c'est des Anglais. Non. Eclipsia a un siège social basé en Angleterre, mais les gens qui travaillent sur le projet sont français. On est à Bordeaux, donc Bordeaux, de ce qui me semble, à Bordeaux n'est pas aux États-Unis ni en Angleterre, puisque j'y suis. Donc, et les joueurs, à part Tabs, sont tous francophones. On a 3 Français, un Belge et le Hollandais volant, comme dit les chips, donc un Néerlandais. Ok, c'est traduit, ça c'est impeccable. On va aller chercher les autres. Par contre, je vais avoir besoin de gold. Hein, vraiment. Parce que là, j'ai cahier. Ok. Donc on est bon. Vas-y, monte-moi là-dessus. Super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si j'en ai une qui est à côté. Dans un premier temps, carte de la Triforce, donc je peux la lire. Ah, je vais les ouvrir. Je peux me la péter un peu. Ok, nice. Et la super carte. D'accord, et ça m'indique d'ailleurs où sont les... Ah, c'est super, c'est nickel. Bon, ben, je pense qu'on va aller à Mercantile dans un premier temps, récupérer
Il me semble que j'ai assez pour récupérer ce qu'il faut. Ouais, j'en ai 20. Nickel. Allez, go mercantile. Pour récupérer le titre de propriété que va me donner la maîtresse, ce sera impeccable. Non, Skyler, c'était une rediff. Hein. Donc tu te calmes. Ouais, c'est des rediffusions. Donc tu pourras les retrouver, comme son nom l'indique, tout au long des journées où il n'y aura rien. Alors, on va aller chercher ça rapidement. On va aller voir la maîtresse. Normalement, elle est chaude bouillante. Elle va m'aguicher un petit peu. Et je vais lui proposer des colis. On a de la prostitution dans ce jeu. Par contre, je passe pas à côté des rubis. Parce que là, on va avoir besoin de 400 rubis. Quoi. Putain. Ah, le chien mail. Alors. Tiens. Ça. Allez, donne-moi le titre de propriété de la villa. Donc ça, c'est important. Et c'est important, je vais vous dire pourquoi. Alors, on va y aller de suite. Tu te calmes, s'il te plaît. Si tu es au sud-est, tu arrêtes de me parler. Hop. C'est important parce que déjà, là, il y a une carte de la Triforce là-bas. Forcément, c'est indiqué, mais aussi parce que ça va permettre de se faire masse gold là-bas. Si on est un peu brain, alors moi je suis un peu brain dead sur le jeu, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un jeu de merde. Et je vais raconter une anecdote d'ailleurs à ce propos. Quand j'étais jeune, c'est vrai que maintenant je suis devenu un vieillard. Hop, hop, hop. Sans moment que je tomberai à côté. Ok. Non, je crois qu'il est. Il est juste en bas. On va se mettre là et on va changer le vent. Ah, c'est marqué sur le programme, ouais, c'est pour ça. Ah donc, vous, j'espère que le son va bien. Enfin, va bien. Vous remarquerez que j'ai gardé l'écharpe. Pas pour me la péter pour faire un peu style, mais plutôt pour essayer de ne pas re-attraper froid encore plus que déjà. Cette phrase était totalement française, mais c'est horrible. Je n'ai vraiment plus la capacité de parler avec mes semblables. Je dois murmurer. Je suis l'homme qui murmurait à l'oreille des gens maintenant. Donc je crois que c'est là-bas, si je dis pas de conneries. Ou alors faut que je parle super grave comme ça et au moins j'ai la voix qui casse pas, mais ça fait un petit peu ridicule en fait. Donc je vais pas parler tout le stream comme ça me fait froncer les sourcils et j'ai l'air d'un con. Donc je vais plutôt parler avec ma vraie voix, même si actuellement ma vraie voix c'est un peu fait la malle. Tu te calmes Toto s'il te plaît. Ah Fabrice. Alors je vous rappelle, si vous souhaitez savoir ce qui va se passer le mercredi, ça se passe sur la chaîne YouTube Jiraiya et Skyheart. J'ai mis une vidéo teasing dessus. Ah, vous pouvez voir. T'as vu, mec, mes sourcils me rendent vraiment très méchant, donc faites attention. Et pareil. Alors je tousse comme un mongol aussi. Pareil pour les deux calaïques. Le t-shirt, on va le faire dans la journée, donc je suis désolé, samedi et dimanche, j'étais plutôt en train de prendre soin de ma voix. Et du coup c'était assez compliqué, mais on va faire ça ensemble, on va faire ça ensemble. Alors on arrive sur l'île, donc je vais vous en parler un petit peu de cette île, l'histoire. Quelle est l'histoire de cette île? Eh bien nous allons le savoir tous ensemble de suite. Nous arrivons sur ces entrefaits, nous avons le titre de propriété, donc je suis propriétaire de cette île maintenant. Et oui, à 12 ans Link il en a fait des choses, il sauve le monde, il est propriétaire d'une île. Il a une magnifique villa. La meuf lui a donné ça pour 20 colliers. Mais c'est tout à fait normal.
calme. Le mec me cherche. Et oui. Faire du Zelda, tu penses quoi? Moi j'ai bien aimé, mais je l'ai pas fait en entier en fait. Donc peut-être que j'en ferai, j'aimerais bien en faire en fait, parce que c'est un Zelda que je trouve vraiment cool. Donc on verra ça tous ensemble. Alors 2 secondes de jeu, remets, voilà le grappin. Non, alors là j'ai été con, hein. J'ai été con comme un manche à balai quand j'étais gosse, parce que c'est que je suis arrivé là et j'avais cherché sur toute l'île la carte de la Triforce, j'avais pas trouvé. J'ai dit bon, il faut le titre de propriété. Je suis arrivé ici et j'ai vu ça, j'ai vu ces tableaux. Et j'ai vu, vous voyez cette espèce de point qui est à côté là, voilà. Et en gros, il y en a 16, et je croyais qu'il fallait tous les faire, en avoir 16. Et à la fin, j'ai débloqué un super coffre de malade fou au milieu, qui me donnait la carte de la Triforce. Qu'est-ce que j'étais con, j'étais vraiment très con, parce qu'au final, regarde, si vous regardez bien Link, il regarde en haut là. Et j'ai découvert par hasard, mais j'ai découvert vraiment par hasard, il regarde en haut, et en fait, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a ça, ah là là, ça perd l'hippopète. Du coup, c'est très simple, la carte de la Triforce, elle se trouve là. Alors, hop, on va activer ça, un mécanisme, et ça va annuler, ça va arrêter le feu. Voilà, et tout simplement, la carte se trouve ici. Et moi, en bon débile, je pensais qu'il fallait tout faire. Alors, j'avais tout fait, et j'ai eu une masse gold, n'empêche, mais à ce jeu, je sais pas si vous êtes fort, mais je suis une grosse merde à ce genre de jeu. Non, alors, inutile. On va tenter de faire le premier, ça va être marrant, je pense. Ça va être super marrant. C'est typiquement le genre de jeu où je suis nul à chier. Alors, là, on va mettre ça là. Ah, je commence à... J'ai une strat. Une strat bien rodée. Je ne sais pas ce qui va où, mais ça a l'air plutôt pas mal. On va essayer de descendre des trucs qui devraient être en bas. Attends. Est-ce que tu penses que c'est en bas, ça? Ça c'est le visage, ça doit être au milieu. Ou c'est peut-être en haut? Non, ça c'est en haut. Ah mais non, mais c'est en haut en fait. Ça c'est en haut. Ça c'est la tête. Ouais, voilà, c'est la tête. Donc en fait, tout ça c'est en haut. Et je me fais chier depuis tout à l'heure à descendre des trucs qui doivent être en haut. Ok, c'est super, c'est génial. Très fort. Ouais. Ok. On a réuni ça. Oh là là, je vais tellement niquer la game. Tu te calmes, grosse kid. Ce jeu n'est pas facile, d'accord? C'est quand même Peggy 7. Donc, il faut un minimum de puissance intellectuelle, d'accord? Oui. Là. Ah là, là, c'est pas mal ce que je viens de faire là. Hop. Ah, ça vous laisse sans voix tout ça. J'y suis tellement presque. J'ai niqué la game. C'est ça. Ah mais non. Mais non. Oui mais non. Si je fais ça, putain, si je le réussis, je suis vraiment un putain de génie quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, on voit bien que j'ai niqué la game quoi. Je pense qu'on va arrêter là. Non, j'ai dit que j'allais arrêter, parce que clairement on est là jusqu'à demain pour faire le premier. C'est un peu trop dur comme jeu. J'ai slash FF.
Je slash FF de ce jeu de merde. I cast. Alors, je préfère me battre contre des méchants, quoi, c'est un peu mieux. Tu te casses. Ok. Ah, il donne de l'argent. Oh non, t'es sérieux. Bah oui, mettre des coups d'épée c'est plus simple, je suis désolé. C'est vraiment des chiens maigres. Je me rapproche du but, je pense. Oh là là, je suis trop fort. Oh, je suis tellement fort. Oh là là, je suis tellement fort. Tellement d'argent que je viens de récupérer. On va devoir repartir. Du coup, cette carte est plutôt bien cachée. Je ne sais plus où c'est qu'elle est exactement. Mais on va y arriver, on va la trouver. Il n'y a pas de raison. Tant que c'est pas un casse-tête. Ah. Où suis-je? Tu te calmes, grosse kid. Je peux pas tousser en fait. C'est pour ça. Il me faut le marteau. D'accord, c'est exactement par où je suis passé tout à l'heure. Oh, mais en fait, il y a des trous de partout, quoi. Je me fais bait. Je me fais bait. On va passer par là. Bon, ça doit être le bon chemin, il n'y en a qu'un pour l'instant, donc il ne me demande pas de faire 15 000 allers-retours. Oh, dafuck, l'ordi qui m'envahit, putain. Oui. Ah bah merci. Ah super. D'accord. Ok. Bon, ça avait l'air d'être le bon. Ça avait l'air d'être le bon. Alors, je sais pas si je descends là ou pas. Merde. Oh, un fils de pute. Oh, j'avais été tellement sûr que j'aurais pas dû descendre dans cette connerie là. Chien maigre. Allez, attaque-moi là. Oh le con, il m'a mis la pression quoi. Il est con lui. J'aurais jamais dû descendre quoi. Les mecs ont une villa. Ils ont quand même une villa avec des momies en dessous. Clairement, je la revends direct. Tu m'étonnes. C'est pas un cadeau qu'ils m'ont refilé. Titre de propriété. Merci, mais non, merci, tu en veux pas quoi. Est-ce que c'était le bon chemin? Ça, la question. Ah bah oui, c'était le bon chemin, ça va, nice. Nice leader. Ouais, je pense, grosse kid d'avant. Si elle s'énerve trop à fond des pompes, voilà. Ah, j'essayais de crier en fait. Ça marchait pas. J'arrive même plus à crier. Ah, ça marche pas.
en fait, c'est très bizarre. Je pensais pas que ça puisse m'arriver un jour. Pas mal, pas mal mon cri. Oh, des barres de rire, quoi. Elle va te faire foutre. J'ai le best cri, tu te calmes. Oh là là là. Non, il me faut ça. Eh, chien maigre. Casse-toi. Attends, il m'a ninja. Il m'a ninja attaqué de rubis là, tu vas me rendre ça mon gars. Oh le chien. J'étais à 1k plus et je suis. C'est vraiment un PD quoi. Bien sûr, le mec est à l'épreuve des boomerangs. Vous êtes pas très cool. Bon allez, du coup, attends, est-ce que je peux péter les vases? Non, je suis bien déçu. J'aurais bien fait ce jeu pour avoir pas mal d'argent, mais non. Parce qu'on a passé 10 minutes dessus tout à l'heure pour au final rien. Merci mais non merci. Trop compliqué pour moi. Ok. Est-ce que j'ai pas des trucs à récupérer par ici? Dans ma piscine par exemple, je sais pas. Ah voilà. Attends, c'est mon île et le mec s'installe comme ça. Tu te calmes s'il te plaît avec ton arme. Casse-toi. T'es chez moi ici. T'es chez moi. Ça m'a toujours fait rire ça. Les gens viennent comme si de rien n'était. Le mec s'arrête aussi là-bas avec sa longue vue. En mode NPGG. Non, mais t'es chez moi en fait. Alors, où est lui? Où c'est que je l'ai garé? Il est là. Donc là, on a une carte de plus. On va essayer de la jouer fine. La super carte. Ok, ça c'est fait. J'en ai loupé une à gauche. Il y en a une à deux à droite. Alors on va aller à deux à droite. Ce sera assez rapide. Il y en a une tout en haut à droite également. Et après le vaisseau fantôme, je me souviens plus. Je me souviens plus comment on le récupère. Alors deux à droite. Carte marine. Non, à droite, donc c'est dans l'autre sens. D'accord. Donc, change le vent. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, je suis un aventurier, je suis un véritable héros. Que là, les mecs, c'est des squatteurs, quoi. C'est juste des squatteurs. Ils profitent de ma gentillesse pour rester sur l'île. Donc, à un moment, moi, je dis stop, quoi. Et expulser, c'est con. Donc, on doit être, voilà, deux trucs à droite. Et ce sera bon. Ah non non, clairement ils n'ont pas donné le micro à la Miss Fortune hier. Non, j'ai pas crié hier. J'ai pas pu crier. Bah quand je l'aurai fini Shadow. Donc là très bientôt. On est sur la bonne voie. Ouais, on est sur la bonne voie. Donc là tu vois je vais récupérer les Triforce. Après on va aller botter le cul de Ganondorf. Là on touche à la fin. On touche à la fin de ce Zelda Wind Waker. Mine de rien. On arrive en fait à notre petit bonhomme de chemin. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même si aujourd'hui ce jeu me laisse sans voix.
Allez, bonne chance Kyler en cours. Amuse-toi bien. Même si c'est vrai que c'est difficile de s'amuser en cours. Nous, on va plutôt... On y est là, non? Ouais, ouais, d'accord. Alors, où est cette fichue carte? Oula, attends, alors ça, si c'est pas un super trésor caché au fond des mers, je sais pas ce que c'est. Ah non, je sais pas ce que c'est alors. J'étais pas dessus. Ah si. Salut Tetrix. Oula, j'ai eu un rubis argenté. D'accord. Ça vaut 200 rubis verts. Ah bah ça, ça va bien m'aider. Parce que l'autre salopard, il prend cher la commission. Alors on va s'arrêter, on va aller là-dessus. Attends. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Oui. D'accord. Je ne voulais absolument pas faire ça, je me suis trompé. Je pense qu'il faut juste remonter, d'ailleurs un mécanisme à activer là-haut. Ok, on remonte. Il y a un panneau ici, qu'est-ce qu'il dit? Pour vous diriger vers l'île opinée des fées, poursuivez votre route vers le nord. Pourquoi pas? Mais y a rien en fait. Une fois de plus, on s'est foutu de ma gueule. Et... D'accord. Je pense qu'il faut les dégommer à mon avis. Il doit y avoir quelque chose là. Il doit y avoir quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. En tout cas, c'est pas au-dessus. Ah, c'est peut-être avec une mouette. Ah, est-ce qu'il me reste à bouffer pour les mouettes? Ah, il m'en reste deux. On va checker. C'est peut-être probable. Oh, le chien maigre, bien sûr. Eh oui, bien sûr. C'est un truc à activer, mais je l'ai pas activé comme une merde. Oh, je suis super fort. Je suis super smart. Appelez-moi un smart guy. Par contre, j'aimerais bien pouvoir l'activer, quoi. Voilà, c'est activé. Il va y avoir autre chose. C'est pas assez. C'était trop simple. Putain de merde. Ok, c'est activé, mais bon. Oh putain, je suis fort. Oh, je suis fort. Tête de ma mère, je suis fort. Ah, tête de ma mère. Non. Oh là 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 là. Vous, j'en ai activé, il m'en reste un. Oh là là, j'étais tellement fort. C'est tellement beau là que j'ai fait. Ça méritait au moins au moins plein de trucs quoi. Je l'ai activé. Casse-toi. Non! 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 Casse-toi! Trop... Non! Oh là 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 là, mais n'importe quoi! J'étais tellement dessus quoi! Putain, ça me rend ouf! Oh là 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 là!
Il reste plus qu'à trouver Terry pour en racheter. J'en ai un qui est à côté, j'en ai un en bas à gauche, un en haut à droite. Ouais. Sacrément des chiens maigres. Et ouais. Putain, putain. Devoir aller chercher à la main quoi, ça me rend ouf. Carte marine, donc on en a un qui est ici. Soit là, soit là. Donc dans tous les cas, de toute façon, faut que je change la direction du vent. Oh, je suis bien déçu par contre. Putain, mais j'étais dessus. Mais je comprends pas, en plus le dernier, j'étais vraiment dessus quoi. C'est le jeu. Le jeu veut détruire mon expérience. Donc je vais devoir aller chercher à la main. Je suis sûr qu'il va falloir que je recommence. Et en plus, avec la chance que j'ai, vous allez voir, avec la chance que j'ai, le mec, le vendeur, comme par hasard celui-là, il vendra pas. Il vendra pas des fruits. Il vendra tout sauf des fruits. Donc je sens que je vais pas avoir de chance. C'est ça. Non, c'est pas la faute de la manette, c'est la faute du jeu. Et tu connais pas vraiment les jeux. Les jeux sont malades. Alors, est-ce que j'y suis? J'y suis. Où est Terry maintenant? Où est-il? Où est le marchand? Ah, il est là-bas, je le vois. J'aperçois une silhouette au loin. Allez, Terry, arrête-toi. Hop, je saute avec un bateau, avec une barque. Donc, tout ce qui est de plus naturel, bien sûr. Donc, c'est lui là, je le vois. T'as intérêt d'avoir des fruits pour les mouettes, mon gars, je te le dis. Hein. Sinon, on va pas s'entendre. Ok. Alors. Impeccable, on va bien s'entendre. S'il te plaît, tu te calmes. Un PGG. Je vais en acheter tellement qu'il va plus savoir qu'en faire. Ah, c'est bon, j'en ai fait. Elle tarde plus. Ok, cette fois-ci, j'espère que mes mouettes vont pas me faire défaut. Dans ce sens. Et on y retourne. T'es sérieux, il me faut pas ça, c'est juste que je prends pas de risque. Si jamais le jeu décide de me troller encore une fois. Sinon, normalement, je l'avais du premier coup, quoi. Mais le jeu m'a troll. C'était horrible. J'étais dessus et non, il a dit bah non. Pff. Merci, mais non, merci, il m'a dit le jeu. Donc je suis pas trop d'accord quoi. C'est ça, je suis grand-père grand-père Jiraya, c'est moi. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes sur Eclipsia et Eclipsia.com pour ce midi rétro Zelda Wind Waker. On va terminer le jeu très bientôt. Alors, est-ce qu'on aura le temps de terminer aujourd'hui? Je ne pense pas. Peut-être demain. That is the question. Si on arrive à... En tout cas, on a déjà réuni 4 cartes. Et là on est sur la cinquième, il y en a 8 en tout. Et je pense qu'aujourd'hui on peut avoir toutes les cartes si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Oui, j'ai regardé Tales of the Line hier, bien sûr. On en a parlé en début de stream. Donc un peu déçu de la dernière game contre les Curse. Mais bon, ils ont bien joué Eclipse en tout cas. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors attends. J'espère que ça m'a pas tout désactivé. Sinon, oh, il pleut en plus. Oh là, mais c'est la merde totale. On est à Bordeaux ou quoi? Il pleut. The fucking shit. Oh non, ça m'a tout désactivé. Non. Sérieux? J'ai l'impression que ça m'a désactivé.
Attention, je vais utiliser l'item que je n'utilise jamais, la langue. Est-ce que ça va désactiver tout ça? Merci, merci la vie, merci la vision. Super. Mais oh, je le vois même pas de là, quoi. C'est super, hein, c'est génial. Merci. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va juste remonter pour avoir une meilleure vision et avoir un meilleur départ avec les mouettes. Ouais, le public était chaud, hein. Le public était chaud sur le Tales of the Lane. Pour moi, si j'ai peut-être un regret, un point négatif à mettre sur le Tales of the Lane, je pense que c'était... au niveau de l'animation, etc., au niveau du contenu, je pensais qu'il y aurait plus de choses en fait. Donc j'étais. Peut-être que j'en demandais trop, mais je pensais qu'il y aurait plus de choses en fait. Et du coup, je suis resté sur ma faim. Mais sinon, vraiment, l'organisation était impeccable, etc. C'était vraiment bien foutu. Alors attendez, tac. Il faut les fruits. Donc cette fois-ci, pas me faire avoir. Fais le tour. Oh, j'ai chié dans la colle là. Mais casse-toi! Putain de fils de pute. Ah, tu en fous. Mec me troll quoi. Un fruit. Tu te calmes, s'il te plaît. Je vais y arriver. C'est le jeu qui est pas avec moi, là, c'est tout. Mais va te faire foutre, quoi, putain! Pourquoi ça le touche pas? Mais pourquoi? Oh, de la merde. C'est de la merde. C'est où les autres? Ah, on s'est barré, espèce de chien maigre. N'importe quoi ce jeu. Ah oui, ah, j'en ai déjà un sur moi. Tu m'expliques d'où il sort. Hein. Mes couilles au bord de l'eau, sinon ça fait un radeau. Ah là là, ça me fait rire, ça me fait rire. Quand tu veux, tu trouves la tour à Kono. Oh là là, va mourir quoi, putain de barde. Le mec ne veut pas trouver la tour. Là, là. Allez, t'as plus. Easy ce jeu. Too easy for me. Non. Tu te calmes, Sika. J'étais super fort. Ah merci, c'est pas un putain de temple où là ils me le donnent direct. Ils ont compris que déjà l'épisode de la mouette c'était légèrement Brisbane en fait. Donc merci quand même. Allez, on récupère ça. What the hell? Ils y mettent la pression hein, pour les. Oh là là, cette voix.
ils mettent la pression vraiment pour récupérer les cartes de Triforce, c'est toute une c'est tout un art. Allez, la Triforce. Eh oui, Olidas, j'ai un peu la basse voix eue. Cette voix qui fait de moi le meilleur chanteur à faire. J'ai participé à The Voice. Je chanterai casser la voix. Je pense que je remporterai tous les suffrages. Casser la voix. Ah, ça me va bien. Je le fais très très bien. Allez, en avant, mon cher Lion Rouge. Hop, voilà. Attends, tu vas te calmer dans un premier temps. On va juste voir où c'est qu'on en est. La super carte. Alors. Ah ouais. Alors, soit on va faire celle tout en haut à droite, soit on fait celle à gauche, là. On va voir. On va voir là où le vent nous emmènera. Alors, je vais aller là. Tu vas chanter avec. Non, pas trop, non. Je vais pas y arriver, grosse kid. Avec quelques talents. Ah là là. Bon, bah, les amis, je vous rappelle, hein. Je vous rappelle, nous sommes sur ce midi rétro, nous sommes sur Zelda Wind Waker. On va essayer en tout cas de terminer l'épopée des Triforce dans un premier temps. Parce que là, les cartes de Triforce, on les a quasiment toutes. Alors, on va juste monter, attends. Le vent m'a l'air d'être non favorable. On va le mettre dans ce sens. Et puis voilà. Je rappelle que la vidéo sera sur la chaîne YouTube, on la mettra en VOD également. Et ce soir, normalement, New Game Plus avec Max. Alors, à voir si ce qu'on mettra comme jeu. On voulait faire Halo 4, mais on sait pas si ça va être possible ou pas. Enfin, bref. Plein de trucs. Plein de trucs Zarbi. En plus, il y a la best musique ici. Allez, on est parti. C'est sur cette île là-bas que ça se passe. T'es sérieux, Trolls? Ton chat, c'est parce qu'il sait pas reconnaître les vraies voix, tu vois. Donc tu te calmes. Bah non, Giggs, Diana Sister, on l'a fait déjà. Donc, enfin voilà, c'est plus vraiment un nouveau jeu, quoi. Le but, c'est justement de présenter à chaque fois un jeu récent. Et pas toujours en faire le même. Je suis plutôt beau, hein, dans ma barque. Donc là, on y est, on y arrive. Alors, apparemment... Il y aurait une carte de la Triforce ici, dites-moi donc. J'aimerais vérifier ces dires. Qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'on a sur cette île? Da fuck. Alors, ça a l'air d'être une île assez bizarre. On peut pas passer par là. Bon, on va descendre, on va aller explorer ça. On va voir ce que c'est. Ouais, il va falloir monter au grappin, je pense. Where is my grappin? Sérieux, j'ai pas touché. Ok. Oula. Oula, la marée basse, la marée haute. Que faire? Mais t'es sérieux? Calme-toi, s'il te plaît. Donc là, je suis un peu dans la merde. On va essayer par là.
Non, clairement pas quoi. Le mec me dit merci, mais non merci. Est-ce que je peux par ici? Ah oui, je peux. Da fuck! Putain, les chiens maigres là, les mecs me bombardent. Avez-vous donc pas de vie? Calme, je t'avais vu. Hop. C'est un problème, Mich. Hop. Quelque peu mission impossible. Ok, c'est bon. D'accord, ça va nous faire comme le dernier là qu'on avait fait. Enfin, l'avant-dernier. Petit temple, rapidement, quelques ennemis à battre. Et puis après, voilà, c'est très simple. Allez, ramenez-vous. Oh, et c'est vous en plus. Oh là là, je suis déçu, je suis tellement déçu. Ça innove tellement pas, quoi. Oh putain, il y en a deux, bien sûr, ça triche quoi. Allez, tu te calmes de suite maintenant. Voilà, c'est fait. Donc en mode easy peasy, no soucis, ils font toujours la même chose, tourbilol, blablabla. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Oh là là, les mecs sont relous quoi, des chauves-souris partout. Tu vas te calmer, il est où? Je t'ai vu, t'es là-bas. Calme. Voilà. Il arrive. Ah d'accord, il faut tuer tous les ennemis, même toi quoi. Désolé, mais je voulais te laisser vivre. Je te vois, t'es tout seul. Ah, me regarde pas avec cet œil d'innocent, hein. Ça va aller, hein. Ok, c'est bon. Alors pardon, qu'est-ce qu'on disait? Le jeu c'est The Legend of Zelda: The Wind Waker, sorti sur Nintendo GameCube. En mai, le 3 mai 2003 exactement. C'est du 7 et plus. Et c'est bien entendu du Zelda. C'est un peu le meilleur Zelda du monde. C'est mon Zelda préféré. Donc vraiment, c'est un très bon jeu, je vous conseille à tous. Il est génial, l'histoire est cool. Les personnages sont attachants. Oh, je suis passé derrière, eh oui! Non, je n'ai pas joué comme les gens m'ont demandé au dernier Zelda qui est sorti. Je ne l'ai pas fait.
D'ailleurs, je pense que, enfin, quand on en avait parlé avec Dash, il m'a conseillé de le faire. Donc je le ferai pour une émission qui sera pas forcément du rétro, quoi. Forcément. Bon, tant pis, on va pas se faire chier, on va utiliser les boîtes. Alors, mon ordi s'est mis en veille, voilà. Donc là, bah, une fois de plus, on va récupérer un morceau de la Triforce, c'est pas, enfin un morceau de la Triforce, une carte, hein, parce que il faut faire la distinction. Et là, voilà les Dark Knights qui arrivent. Allez, ramenez-vous. Alors eux, on va prendre un boomerang. On va prendre deux la bombe, on sait jamais. Voilà le chien, parce qu'ils font mal. Hein. Il rigole zéro. J'ai dit il rigole zéro. Faut que je vais mettre à poil déjà, voilà. Ah la vache quoi. Ils font des dégâts, ils me TPS. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils se frappent entre eux aussi. Mais une fois que t'as pété leur armure, tout va bien. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai pété l'armure, c'est bon. Là, ils sont à poil, ils sont tous à poil. Ouais. Avant, je suis un peu vulnérable. J'ai fait le gamin là. Putain, je suis vraiment fort. Je pense que je suis un peu le meilleur joueur du monde de Zelda. Je suis un peu le champion du monde de Bordeaux. Spécial dédicace à Arurk, l'homme qui était champion du monde de la Réunion. Par contre, on va péter, je vais bien péter les piliers parce que ça donne bien des thunes normalement. Il faut juste récupérer une grosse épée. Une énorme arme. Une grosse arme à deux mains. Voilà, comme on les aime. Ah, ok, merci, mais non, merci quoi. Il y a arnaque là, il y a erreur sur la marchandise. J'ai demandé des gold. Alors, est-ce que tu vas m'offrir, voilà, la richesse, c'est ça que je veux, merci. Là, il y a des thunes. Là, il y a de quoi traduire une carte. Décrypter une carte, plutôt. Alors, where is the port? Attends. Le tourbilol. Le tourbilol a fait la différence quand même, là, sur ce coup. J'en ai séché 2-3 rapidos. Non, Skyheart ne streamera pas, je vous confirme, il ne streamera pas à 16h Skyheart. Il rentrera demain. Tales of the Live. Donc je ne sais pas qui le remplacera. Quelqu'un qui aura une voix, très certainement. Alors, où c'est qu'on a? Il nous manque une carte, je crois. Attends. Les cartes. Tac. Super carte, où es-tu? Tu es là. En veux-tu, en voilà. Ok, nice. On a récupéré celle-là. Il manque celle du bateau fantôme. Et celle qui est là-bas. Mais alors, celle-là, je sais pas. What the fuck, quoi. Je l'ai jamais vue. Donc, on va y aller. Et le bateau fantôme. Alors, est-ce que quelqu'un sait sur le chat où c'est qu'on récupère, enfin où c'est qu'on trouve le bateau fantôme, s'il y a déjà l'idée, je ne me souviens plus, j'avoue. J'ai fini le jeu 3 fois quand même, hein, donc c'est pour vous dire que j'ai une mémoire de merde. Mais je me souviens absolument plus le bateau fantôme, où c'est qu'on le récupère. Ça, je sais plus, c'est pas random, il me semble, enfin il doit y avoir un truc. Alors, where is my poteau là?
Oh, il est garé là. Attends. Lui en rouge, tu t'es barré? Lui en rouge, c'est barré. D'accord. Le mec en a eu marre. Il s'en est allé. Ah non, il est là. Alors, ça va pas me faire des feintes comme ça. Ryuk, j'ai jamais dit que je me souvenais de rien. J'ai dit je ne me souvenais pas d'où était ce vaisseau fantôme. Donc déjà, tu baisses d'un demi-ton avec moi. Sinon, on va pas s'entendre. Non, c'est juste que je me souviens pas, ouais. Mais il y a combien de cartes à récupérer à Dragan qui commence déjà à désespérer? Il y en a 8. 8 cartes. Et là, il nous en manque 2. Bon, maintenant, tu te calmes, d'accord? Oublie pas, où c'est le temps. Alors, non, c'est juste en bas. Ok. Voilà, c'est là. Hop, petite erreur du vin. Je vais pas à celle du bateau fantôme. Toto, tu dis n'importe quoi. Le bateau qu'on allait récupérer, c'était pour un quart de cœur. Ou non, c'était même pas ça. C'était pire. C'était pour des rubis de merde. C'était pour un rubis orange. Donc tu te calmes. Bateau fantôme, on l'a pas. Alors, normalement, c'est ici. Si je dis pas de bêtises, à vérifiant, je suis chiant, mais je préfère vérifier. J'ai pas fait le chemin pour. Voilà, c'est là. C'est bien là d'ailleurs. Je suis retombé dans la. Je suis en train. Je mue. Je mue à 21 ans quoi. Je suis un peu en retard. Je vais peut-être avoir mes règles bientôt. Ouais, il me semble, Fabrice, c'est une connerie dans ce genre. On va checker. Ah, c'est là. Ah là 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 là. Mais quel est donc ce truc? Attends. Ou alors, ou clairement, je vais me calmer. J'ai des soucis aux yeux. Ah, voilà. Oh bordel. Oh bordel de merde. Je me suis fait un peu sabater là. Ah oui. Ah mais oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais le mec décide de taper la discute en plein fight là, tu vois pas qu'il y a la guerre derrière. Oh là là, il est con. Il est con, oui, il est con ce mec. Et Link, s'il te plaît, tu peux arrêter de... Voilà, enfin, tu peux remonter sur le bateau. Merci. Allez là, on navigue, allez, on navigue. Et pénètre-moi à l'intérieur là. Pénètre-moi ça là, putain. Il est con. Oh là 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 là, pitié, stop lui parler quoi. T'es H24 avec lui, comme toi. Tu poses le pistolet. Ah non, si je dis pistolet, j'ai ma gorge qui va cracher du sang, donc tu te calmes. Hop, voilà, le chant du vent. Les joies de Wind Waker. C'est ça. Mais je suis content là, je suis en train de muer, c'est une nouvelle expérience. Je me découvre. Allez, on l'a récupéré. Donc, 7. 7ème carte. Et s'il n'en manque plus qu'une. Il n'en manque plus qu'une. Alors là, j'essaye de faire vivre un petit peu tout ça, mais c'est compliqué avec ma voix. Il ne reste plus qu'une carte et normalement on devrait la récupérer sur le bateau fantôme. Le navire fantôme. Ok, là c'est bon. J'hésite même à mettre cette VOD sur la chaîne YouTube. Parce que clairement, les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, toi, t'as pas une voix normale. Allez, viens avec moi. Papy Jiraya, tu te calmes. Vous êtes des bâtards. Bon, le bateau fantôme. Someone have an ID. Parce que moi non.
Je vais checker mes cartes. Alors, j'ai la carte de Tingle. Peut-être que lui peut me dire où est le bateau fantôme. Non. J'ai cette carte au trésor. J'ai les cartes de Triforce. Carte encore là. La carte de Terry. Terry peut-être indique. Non. Et la super carte. Qui va peut-être nous dire où est le bateau fantôme. Bon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que déjà, on va aller traduire les. Enfin, décrypter les autres cartes. La nouvelle émission commence quand? Bah je sais pas encore. Alors est-ce que je fais commencer les défis, de la nouvelle émission du mercredi? Est-ce que je fais commencer ce mercredi, à savoir après-demain, ou est-ce que j'attends la semaine prochaine? On va voir. Mais on va voir comme vous souhaitez. Franchement, tout dépend des motivations des gens. Et puis de la possibilité de le faire quoi. Parce que moi je suis bien motivé hein, de toute façon. Mais honnêtement, j'espère que j'aurai récupéré ma voix d'ici là. Allez. Allez. Là, ça, ah là ça a coûté une blindasse quoi. Et combien il va me faire payer encore? 398, c'est vraiment un chien maigre. Pour me faire ça gratuit quoi, je lui donne tellement d'argent. Oui, l'île du losange, ça me parle, Dragan. Mais apparemment c'est là-bas, c'est de nuit qu'il faut y aller et c'est là-bas, Dragan, pour le vaisseau fantôme. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va aller à l'île du losange. Nice. Je vois où c'est qu'elle est. Elle est en bas à droite, normalement. Pour moi, il va me falloir des golds. Oh là là là, il va me falloir tellement de thunes. Oh, ce sale chien. J'ai plus assez. Ah ouais, mais il veut pas. Sale pédé. Putain, il m'a tellement fait. Genre, on peut pas vendre des items, c'est dommage. J'aimerais bien vendre, vendre des trucs. Si on pouvait vendre, j'aurais vendu ça. Parce que je sais pas quoi en foutre de ça. Honnêtement, les colliers macabres, tu veux que j'en fasse quoi? Ah, très recherché par certaines personnes, putain. Alors, île du losange, ça c'est île aux forêts, île de Giria, une petite calme. Ça c'est île triangulaire, île du losange, elle est là, voilà. C'est, mais j'en viens. Île du losange, il y avait déjà une carte là-bas. Mais ah, c'était pas casse-couille Wind Waker, c'était c'était plein de recherches, c'était toute une épopée magnifique. Non, j'adore. C'est un très bon jeu, donc tu te calmes. Ok. Et là, l'île du losange, j'ai. Et merde, elle est pas dans ce sens. Elle est ici, voilà. Comme tous les Zelda, c'est ça. Ah, c'est de l'aventure, c'est de l'exploration, c'est du RP, du l'action RPG. Donc après, si on n'aime pas, c'est ça. C'est après, c'est les goûts et les couleurs. Si on n'aime pas ce genre de truc, je ne pourrai rien pour toi. Je t'invite à aller mourir puissamment. Salut Torx et salut à ceux qui nous rejoignent. Donc je rappelle, nous sommes sur le midi rétro.
Comme d'habitude, on continue avec The Legend of Zelda The Wind Waker sur Nintendo GameCube. Je suis actuellement vieux de 80 ans avec ma voix. Apparemment, je suis malade. Et voilà. Donc là, on est quasiment à la fin du jeu. On est à 90% du jeu. On va rassembler la dernière carte. Enfin, trouver la dernière carte, ce serait pas mal. Et rassembler tous les morceaux de Triforce. Et ensuite, basta. On va défoncer Ganondorf. Comme ça, plutôt pas mal. Comme votre jeu rétro. Bah, on verra après. En fait, on verra. C'est surtout en fonction de la demande, quoi. Et j'ai pas mal de jeux qui m'ont été demandés. Donc, on verra. On avait commencé aussi. Je suis beaucoup Nintendo. Donc, on avait fait de la Super NES. On avait fait la Nintendo 64. Donc, beaucoup de choses. Et sur GameCube, depuis peu. Puisque j'aime beaucoup cette console. Et qui commence à se faire vieille aussi. Et on avait fait Tales of Symphonia. On avait commencé en tout cas Tales of Symphonia, qui est un excellent RPG. Alors, il a deux. On arrive à l'île du losange. Ouais, Ryuk, je les ai toujours. Alors, qu'est-ce qui est censé se passer à l'île du losange? Je peux savoir? Là, il y avait une carte, je l'ai prise. Ah non, il n'y a pas de carte ici. Je vais peut-être remettre la nuit. Ah, c'était... Alors, Hunters, le jeu, c'était... Comment ça s'appelle? Limbo. C'était Limbo. Donc je ne vois rien. Tu m'as raconté des conneries, Xenophontis. Tu vas être report. Et où est-ce qu'il est ce putain de bateau? Vaisseau fantôme, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être que je récupère les morceaux. Non, mais Dragon, ça sert à rien. Mais c'est la nuit, hein. C'est la nuit, mon petit gars. Donc, s'il te plaît, tu te calmes. Ça sert à rien que je monte sur cette île, je vais vous montrer, mais bon, ça sert strictement à rien. Vu que je dois aller récupérer la Triforce sur le bateau, donc à moins que le bateau décide de rentrer là-dedans. Merci, mais non, merci. Mais bon, on va y aller quand même, ça me fera peut-être des thunes. Toujours ça de prix. Un petit trou ici, on va aller voir. Nafek. C'est peut-être ici, tout compte fait. J'avoue. Oh merde! Les mains du désespoir. Arrête-toi. Alors, fais-moi la maligne.
calme, tu poses ce vase. Ok. Bon, on va prendre celui-là. Il m'a l'air plutôt pas mal. Ah oui. Ah oui, génial. Il était même énormissime. Donc là, c'est juste un casse-tête une fois de plus. Alors là, il n'y a qu'une entrée normalement. Je pense pas. Ah non, il y en a deux. Ok, mais je fais fromage en fait. Donc je vais prendre celle-là. Et par contre, ça fait repop les mains. Ça va me ramener à l'entrée. C'est super, c'est génial. Et si c'est ça le bateau fantôme. En fait, j'ai pas le souvenir de. Enfin, j'ai bien le souvenir hein, de ça. Ce n'est pas que c'était apparenté au bateau fantôme. Parce que si vous avez joué à Phantom Hourglass, c'est vraiment différent quoi. C'est pas le même. Ah, il me ramène au début, salaud. Ah, c'est clairement le truc qui fait tourner en bourrique là, qui fait péter un câble. Non, c'est pas là. Il y en avait trois là-bas, donc merci, mais on en a fait deux, donc logiquement, c'est pas celui-là, c'est celui là-bas. Pars-toi. Allez, tarp. Vraiment, c'est celui-là. Allez, appelle-moi Roberto, wesh. Calme. 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 Bon, on prend lequel là? Là, ça c'est une grande décision là. Parce que... Merci, mais me retrouver à 20 km plus loin, ça va me faire chier. Attends, mais y a... Ah, mais je pourrais descendre, moi. Je pourrais descendre. Mais je sens que c'est un bait si je descends, en fait. Ah oui, c'est un gros bait. Ah, d'accord. Ah, des barres derrière. En fait, c'est celui qui est à côté. C'est un truc qui est à côté, d'accord. Je prends celle de gauche. Alors, en étant ici, je prends celle de gauche, d'accord. Si c'est pas ça, mon gars, clairement, je te banne du chat. T'as de la chance. Tu as de la chance. Ok. Et là, un petit coffre. C'est qui le patron? Merci, mais tu te calmes. Attends que j'ai pas la carte. Voilà, j'ai la carte du vaisseau fantôme. Merci quoi, super. Ah bah GG. Ah bravo, merci. Niveau utilité, tu repasseras quoi. Je pensais avoir la carte de la Triforce. Ah, et nul à chier. La carte du vaisseau fantôme. Ok, c'est bon. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est pas ici qu'on récupère la Triforce quoi. Parce que je... Enfin, la carte de la Triforce, une fois de plus. Sinon, j'aurais craqué. 200 euros si je l'en habille la bille. Merci, mais non. Non, mais je sais, Toto, merci. Ça s'appelait une blague en fait. Ça s'appelait de l'ironie. Alors, bien sûr. Donc là, on a récupéré la carte du vaisseau fantôme. On va pouvoir le trouver maintenant, Denis. Alors, où est mon vaisseau à moi en tout cas? Où est mon bateau? Ah d'accord, c'est carrément en mode de fer à repasser là qu'ils ont fait cette île. On dit tiens, t'as une idée pour faire cette île du losange? Ouais. Tu fais le bout, il sera un peu comme un fer à repasser. Ça sera plutôt pas mal. Alors, je suis garé où? Je suis garé là. Oh, le nul là, il arrive même pas à se rattraper direct sur le bateau. Hop. Tac, on est bon. Alors, va falloir le sniper maintenant. Ce con.
La carte du vaisseau fantôme, où es-tu? What is the fuck? Ok, alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je trouve une île de ce genre, en fait. Au minimum. Oh là là. Ah non, il est indiqué. Ah d'accord, il est carrément indiqué. Oh mais c'est nickel ça. Ouais, la lune donne lune, mais non, non, bien sûr. Mais il est indiqué sur la carte aussi, parce que... Non, il faut aller là. On va le surprendre, ce vaisseau fantôme. On va lui dire, oh, donne-moi cette carte de la Triforce tout de suite. J'en ai besoin pour sauver le monde. Et m'oblige pas à élever la voix, parce que je ne pourrai pas. D'accord? Allez, on est arrivé à Mercantile. Espérons qu'il n'ait pas bougé, ce con. Oui, parce que je voyais le moment où il s'était barré. Alors là, d'ailleurs, écoute-moi, Coco, on va pas être copains. Hein. Non, Zazel, j'en doute fort. J'en doute très fort, même. Sinon, on aurait pu, mais ça m'étonnerait. C'est pas comme Phantom Hourglass où si tu peux tomber dessus. Là, non. Parce que sinon, t'imagines, dès le début, tu tombes dessus. Ah bah, j'ai la carte de la Triforce. NPGG, pas. Tu te calmes. Donc, c'est pour ça que ça m'étonnerait. Allez, on est sur le chemin. Là, attends. On arrive un peu. Où es-tu, bateau fantôme? Oh là là, vous le voyez, vous le... Oh là, oh, ça fait peur. Le vaisseau fantôme. On va peut-être rencontrer le capitaine Barbossa et toute sa clique. The fuck? Oh non! Oh t'es sérieux? Oh là 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 là! Il a niqué la game! Oh là là! Le soleil qui vient niquer la game quoi! Oh là, des barres de rire! Mais oh il est con! Oh qu'il est con! Oui, Phantom Hourglass c'était sur DS. Ouais. Donc voilà. Ah bah GG Wellplay. Ah bravo! Ah mais bravo! Alors là, le soleil m'a détruit ma journée, quoi. Salut ta pouze. Bah écoute, ça va, j'ai plus de voix, mais ça va. On fait avec, pour l'instant. Oh là là, je suis bien déçu, quoi. C'est vraiment un bâtard de guinche. Bah, je vous ai dit que c'était le jeu. J'ai dit que c'était pas moi, c'est le jeu qui me troll. Clairement, Wind Waker ne veut pas être terminé de mes mains. En live, en stream, sur Eclipsia. Non. Tu me fais chez toi tout seul. Tu arrêtes maintenant. Qu'il est là-bas normalement. Allez, il faut changer le vent. Sortez les trompettes, c'est la fête. Yo, really. Ah ben, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Ça va, mais je dois vous avouer que je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix et ça me fait énormément de mal. Je souffre, je pleure intérieurement. C'est vrai que ça me fait mal. Mais bon, je suis un guerrier. Je suis un bonhomme. Je suis un caster avant tout. Et donc je reste sur mes positions. Voilà, tout va bien. Donc on va aller le chercher. Ouais, il est bien là. J'espère que le soleil va pas se relever quoi. C'est ça, je pense que c'est ça. En fait, je suis trop fort pour le jeu. Et au final, le jeu essaye de me mettre des pièges, vous savez. Il essaye de jouer avec mes nerfs, il essaye de me titiller un petit peu comme ça. Mais non. Moi je dis non. Je vais y arriver de toute façon. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Bon, je suis pas là pour rigoler moi. Je suis là pour terminer le jeu, d'accord hein. Pas là pour poser du lino. Bon. Non, bah j'espère que non, il est là, tu le vois, on le voit, il est là le vaisseau. Espérons qu'il ne fasse pas soleil d'un coup. Voilà. Dafek. Allez, ramène-toi. Ramène-toi, c'était un vrai bateau.
vient de pénétrer ce vaisseau. Allez, ramenez-vous. Deux cas. Oh le chien maigre. Alors ils ont appelé toute la clique. Je suis trop concentré là, je suis trop concentré. Tiens, c'est pas ce chien maigre là. Il est où? Il est où? Putain, bâtard. Allez, vas-y. Allez, vas-y, défonce-le, 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 bien joué, ça qu'on veut, aller au contact, là, va chercher la tête, tiens, il est où l'autre, allez, ramène-toi avec tes boules de feu, toujours se cacher derrière ses invisibilités, ah, alors fais-moi les mains, hein, quand on est étourdi, allez, casse-toi. Ah mais c'est tout. Ah d'accord, ok. Tout ça pour ça. Ok, bah Nobles, vaisseau fantôme, Meburn quoi. Ah clairement j'utilise pas de bouclier moi, tu te calmes. D'accord. Oh, maintenant le problème ça va être d'avoir de l'argent. Il faut que je réunisse 800 gold. Il faut trouver des thunes. Alors, où trouver des thunes? J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. On va aller à l'île de l'Aurore. Non, on devrait avoir pas mal d'argent. Ouais. Oh, je suis encore bloqué quoi. On a toutes les cartes, il va falloir aller chercher la Triforce aussi. Ouais, Geeks, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, ah, il m'en faut deux quoi. Go le jeu dans la villa, mais mec, ça donne des sous, mais on est là, clairement. Franchement, juste pour faire le premier tableau, il faudra 8 ans quoi. Donc, merci, mais non, merci. Je suis trop nul à ça. On est bon. Ah non merde, moi je voulais juste je voulais pas de boomerang, je voulais juste une voile. Voilà. On va aller chercher directement là-bas. La best île du jeu, l'île de l'Aurore. Là j'ai ouais, joli, nicely done. Faut que j'atteigne l'île là bas attends, est-ce que je serais pas un peu con? Alors à moins que, attends, je teste un truc, parce qu'en fait je me fais chier avec le truc, mais si j'ai le grappin en final je peux y aller, non? C'est ça que je suis en train de penser quoi. Parce que à chaque fois je me fais chier à faire le tour, etc. Donc là on va pas cracher sur ceux là ils sont gratuits, d'accord, si j'ai ridicule, le mec n'arrive pas à sauter pour la récupérer en lui. Pour faire sauter dans l'eau. Plus intéressant. Voilà.
d'ici de là je peux y arriver. Hein. Je pense que je peux y arriver. Putain, mais il y a masse rubis en fait sur cette île. Allez, mec qui se cassait les couilles pour rien, en grappin. Allez, c'est parti, tard plus. Voyage au centre de la Terre, Round 1. Donc là, on rappelle, on a besoin d'argent pour décrypter. J'ai deux, comment ça s'appelle? Des fées. Ça va être important, ça. Parce que je vais le faire en entier, donc je vais en avoir besoin. Pour décrypter mes deux dernières cartes, et puis après on pourra aller à l'assaut de la Triforce, quoi, tout simplement, des morceaux. Ok, tu te calmes. Non, oh les chiens maigres, non. Là, je remonte. Bah, c'est clairement ça, Gigza, parce que là il y a beaucoup de monstres, et ça dure masse de temps. Là je viens de chier dans la colle. Les fées sont trop fortes pour moi. Ce jeu est trop dur. Oh là là. C'est bon. Ok. Donc là, on va se mettre tout l'attirail qu'il faut. Tac, tac. Allez en avant. Ah, je suis un bonhomme moi. Et du coup, on va start tranquille avec les chauves-souris. Ça dure pas longtemps. Ouais, attends. Je me souviens qu'à ce moment-là, Groski m'avait dit de prendre les pièces. Je lui ai dit, oh, c'est bon, j'en ai loupé une, c'est pas grave. Clairement, je suis un peu déçu, quoi. Ah merde. Okay. Ah, il en reste. Aucune difficulté pour l'instant. Ok. Boula, non, il manque de l'argent. En fait, c'est pas que je veux pas. C'est que il me reste encore de toutes les cartes que j'ai chopées. Il y en a deux qu'il faut que je traduise, enfin que je décrypte, fasse décrypter par Tingle. Et c'est tellement un chien maigre qui prend 400 rubis quoi. En gros, 400 rubis le décryptage, ça fait super cher. Donc là, avec mes 300, je suis un peu dans la merde, quoi. Au moins, je déchiffre tous ensemble, et au moins, je vais tout chercher d'un coup, quoi. Alors, ils sont vides. Bah pas forcément, hein. Pas forcément. Non, en allant chercher les autres, je pense pas. Mais là du coup bah ça va nous donner des sous, et puis si on arrive à terminer, parce que la dernière fois j'étais mort juste à la fin, vers la fin j'étais mort quoi. Et si on arrive à le terminer en entier, j'aurai le quart de cœur aussi, donc je fais une pierre de coups là. Les gold plus le quart de cœur, et ce serait impeccable.
Là, j'avoue que c'est pas très reluisant à regarder, mais forcément, on va avoir quelques étages à passer. Putain, mais c'est long avant d'avoir au moins le premier palier, quoi. C'est super long. Là, aucune difficulté pour l'instant. No problem. Alors eux, ouais. Il s'est fait combo tête lui. Allez, t'as plus. Ouais, 3 ans. Mais après, alors on va voir combien ça donne, si c'est rentable ou pas. Quoi. Parce que merci, mais non merci, si on fait ça pour 2 rubis, casse-toi. Ouais, mais voilà, tu vois, ça va vite quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. 100 rubis. Oh, ça a tellement niqué la game, quoi. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de... Non, clairement, j'ai pas envie de crever là. Sur celui-là, je vais le faire. Je vais l'avoir en entier. Ah, c'est pas mal Draigan, alors tu te... C'est déjà ça. Bon, c'est pas trop merdique. Ah oui, merde. C'est... Oh là. C'est vrai que le temps que ça prend, mais... Alors là, je sais pas où est-ce qu'il est le dernier, mais il se cache bien. Voilà. Ouais. C'est vrai que j'ai pas augmenté le car. Le carquois est pas augmenté encore. Les bombes sont augmentées. La magie n'est pas augmentée non plus. Par contre, je sais plus. Je sais plus où c'est qu'il a fait qui me permet d'augmenter ça. Ah, il en reste. Oh merde. L'a fait pour les flèches, je me souviens plus. Mais c'est pas con parce que clairement contre Ganondorf ça risque d'être un peu chiant quoi. Oh les chiens. Calmez s'il te plaît. Oh le mec a un bouclier, il se la pète. Easy peasy. La salle finit juste au boomerang. Genre en mode MPGG quoi. Alors là, celle-là aussi elle est nulle à chier. Ça c'est les mecs qui sortent des... Autant les mettre directement là, tu nous fais perdre du temps en les faisant sortir. En les faisant sortir des vases. Attends. En espérant que cette fois-ci je ne mourrai pas comme la dernière fois. Parce que sinon, je me tiens une balle. Dix minutes? Ah, tu déconnes, Torx, ça n'est pas 10 minutes. C'est pas 10 minutes, pas 10 minutes, pas 10 minutes. Je suis un mec hyper rapide, faut arrêter. Ah, j'ai pas le temps. Grosse escroquerie, non mais non.
C'est pour... Il y aura un quart de cœur à la fin, vous voyez que le côté bling bling. Alors eux ils sont chiants par contre. Voilà. Ils me regardent tous là avec leurs yeux de merlan frit. Ah voilà, on y arrive. Et là, on va gagner combien de rubis là, à votre avis? Puisque, voilà. Merci mais non. Eh oui. Alors, le moursin. 201 rubis, oui, monsieur. J'ai dû me mettre en danger pour le tuer en un coup parce qu'il me fait des chiens. Allez, t'as plus. Et ouais, et je pense que après ce sera peut-être 300 ou 400 rubis. Qui sait? Qui sait jusqu'où ils vont aller? Un bâtard, je suis un bâtard. Eh ouais, je te fais croire que t'allais revivre, hein. Ah, je suis pas très sympa. Bon là, j'ai pas compté les étages, mais globalement, on est loin. Oh genre, d'habitude tu ne bouges pas. Ok, c'est bon. Ah, je sais pas si ce sera plus 100 rubis à chaque palier ou pas. Attends, dedans là il y a une connerie. Ah oui, oui, d'ailleurs, je me souviens. Je crois que je peux les avoir en tourbi, lol. La réponse est non. Je peux tous les avoir, je peux pas tous les avoir. Ça m'arrête. Calme. C'est quand que tu fermes ta gueule? Mec parle, il a pas fini un seul jeu dans sa vie. Allez, casse-toi. Allez, dégage. Casse-toi. Non, tu l'as pas fini. Mec, moi, bah, clairement, je vais pas valer grand-chose alors. Tu te calmes. Tu te calmes. Je ne reçois pas de conseils d'un mec qui joue à Dota, d'accord. Casse-toi toi aussi. Clairement prends un mentos hein, parce que là, tu m'as parlé, tu me parles dans les narines, tu te calmes. Je sais que je suis malade mais il y a des limites. Hein. C'est mon attaque. Oh je rigole. La voix du gaming porte bien son nom. Tu sens le game. Tu sens le gaming, ça va. Tu sens pas mauvais. Ah ça. La Wii a décidé de jouer toute seule.
Mais c'est ça, je l'enlève. Non mais c'est ça, tu peux l'enlever, je pense pas. Tu te calmes. Mais pose-le à côté. Attends, il fait du karaté, le mec essaye de me mettre un high kick. Le mec me brise les burnes, je lui dis mets-le là quoi. Avec casse-toi ou je te défonce quoi. Vous pouvez voir chez Eclipsia les gens sont chiants. Hein. Oh là 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 là. Oh les gamins, je crois que j'avais déjà fait. Alors autant des fois les monstres qui nous mettent sont assez chiants, autant des fois c'est nul. Je les rouste tellement violent quoi. Moi je suis vénère moi. Ici chez Eclipsia on rigole pas. Hein. Attends, c'est des mecs en feu. Attends, on va faire un truc simple. Donc là il va être bien déçu. Allez, tard plus. Et ouais, tu croyais quoi? On ne la joue pas à moi. Allez, tard plus. À demain. Je suis tellement smart. Smart guy. De Darknet. Allez, c'est parti. Ramenez vos fraises. Allez, tard plus. Allez, suivant. Who is the best? Who is the best, man? Tellement fort sur ce jeu. Ok, ça on l'a vu. Ça on l'a fait. Là il y a des golds, là il y a des golds. Bon, je vais faire attention de pas aller dans la lumière. Là il y a beaucoup de gold. 800, j'ai quasiment assez. Hein. Attends, mais j'ai assez. 3, c'est bon, on peut se barrer. Ah putain, est-ce qu'on s'en va ou on continue? Non, je m'en vais. J'aurai jamais ce quart de cœur de merde. Tant pis. C'est tant pis. Puisqu'on a assez, on va aller sur l'île de Tingle tout de suite sans perdre du temps. Killer Alien. Oh, il est 13h44. Et je vous avais dit qu'on aurait juste le temps de finir toutes les cartes. Et je pense que je suis plutôt bon timer. Vous avez plutôt mort sur le chat. Ça vous a détruit de voir ça. De voir autant de violence d'un coup, ça vous a refroidi. Allez hop, en selle. On va sur l'île de Tingle. Le voleur. Attends, faudrait savoir. Un coup, on trouve ça trop lent. Et un coup, on dit oh merde, t'as abandonné. Ah, vous êtes pas super cool. Ah oui, ma voix qui vous détruit, ça je n'en doute guère. Je n'ai point de doute là-dessus. Je n'ai point de doute. En effet, il est vrai que ma voix peut porter atteinte à votre système nerveux. Au bout d'un moment. Ah oui, bien sûr. Oula, un requin. J'espère qu'il va pas faire le chien maigre et qu'il va pas augmenter les tarifs parce que là je suis dans la merde. En plus Single c'est un salaud parce qu'il fait travailler ses deux frères mais violemment quoi. Des esclaves. Alors non, je veux que tu me traduises ces deux dernières cartes, s'il te plaît. Espèce de chien maigre. Là. Merci.
on est plutôt beau. Ok, on peut se féliciter du coup. On a toutes les cartes de la Triforce décryptées, je suis bien content. Allez, t'as plus. Allez, ciao. Il m'aura pris bien cher. Parce que 8 cartes à coût de 400 gold à chaque fois. Merci, mais non. Demande 3200 gold. Alors maintenant il s'agit de aller chercher ces morceaux. Je pense pas qu'on aura, on aura le temps aujourd'hui, mais on peut bien aller en chercher au moins ceux qui sont. Il y en a un juste à côté en diagonale. Ah, attends, on va faire. Oh mais putain, on peut en faire 3 d'un coup là. On peut en faire 3 d'un coup. Alors attends, hein, carte marine. Voilà, ici. On va changer le vent. Et là, la route a l'air plutôt toute tracée. Il est 47. Est-ce qu'en 13 minutes, on peut récupérer autant de morceaux de Triforce? Oh putain, ah bah si je commence à chier dans la colle dès le début, ça va être compliqué. Ouais, normalement c'est ça, ouais. C'est au grappin. Jusqu'à 20h, tu te calmes. Non, je peux pas. Je peux pas et je vous dirai pourquoi tout à l'heure sur sur Facebook. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on lancera le truc. Je vais lancer le sondage également pour voir si mercredi on fait la première demi. Oh les bâtards, oh les chiens maigres, voilà, bien entendu, c'est toujours pour ma gueule. Attends, c'est un peu gros la tornade là, elle est contre moi, elle est contrôlée par un mec. Hein. Tu t'arrêtes tout de suite. Genre elle va vers la gauche et d'un coup elle me jette et après elle repart vers la droite, mine de rien, comme si je n'avais rien vu. Genre normal quoi. Non, tu te calmes. Alors on prend le grappin. Et normalement ça devrait être bon. Salut Fukunemo. Tu arrives un peu à la fin, donc je pense que tu es bien déçu. Tu te calmes. Ferme la porte s'il te plaît. Merci. Alors est-ce que c'est là? On va tout checker parce que là les morceaux de Triforce sont sur ce carré de la map. Et on est parti. Alors attention, est-ce que je suis bien mis? Normalement, je suis un poil devant peut-être. Non, c'est bon. Bref. Alors, est-ce qu'on a un morceau de Triforce? Le premier morceau de la Triforce? Oui. Non. Mais pourquoi? J'arrive plus à parler. Pourquoi? Bon, c'est la vie. Là c'est pas l'île du poisson ici. C'est l'île de la poiscaille ici il me semble. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas mal ça. Tiens, on va voir. J'ai des objets rares. Ah, t'es vraiment un chien maigre. C'est ça là. Vas-y, envoie ta fleur marine, wesh. Marché conclu. Ah, en plus, faut payer quoi. Le mec, on fait un échange. T'es vraiment.
super. J'ai une fleur marine. Plutôt cool, plutôt cool. Mais en fait, c'est pas ça que je cherche la Triforce en fait. Donc maintenant, tu arrêtes de me parler. Bon, bah j'ai bien l'impression que je me suis fait eu ici. Where is the Triforce quoi? Bon, en tout cas, elle est pas autour de cette île. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir trouver un halo et essayer de repêcher ça au grappin, comme d'habitude. Je pense. Ok. Normalement, ouais, normalement tu dois la pêcher quoi, elle est par là. Et pour le halo de lumière, ils repasseront, hein, parce que là je vois rien du tout. Le seul que j'ai vu c'était 20 rubis de merde. Donc là ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi, à ce jeu. Déjà en plus faut que je remette le vent dans ce sens. Ah là là, Takia, tu es vraiment très drôle, dis-moi. Et je vais pas la trouver cette première. Je vais bolosser un peu. Attends. Ah mais non, là c'est sur l'île. Oh, je suis persuadé qu'elle est pas là. Mais plutôt Ok, bah alors là je suis sur le cul un peu. Non mais ça je m'en fous, c'est ça que je veux. Alors elle est un peu au-dessus de moi apparemment. D'après la carte. Mais normalement elle devrait être dans l'eau quoi, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai loupé en plus, ça m'a détruit mon timing. Là je suis plein, en plein dessus, tu peux pas faire le mec qui est plus dessus que dessus quoi. Et je vois rien. Oh putain troll, sort les blagues de. Oh les blagues merdiques. Bah. Non mais les fragments sont vraiment dans l'eau, hein. Y a pas à tortiller. Ils sont dans l'eau, c'est sûr et certain. Clairement, y a aucun fragment que tu trouveras autre part que dans l'eau. Bon, alors je suis aveugle. Mais ça m'étonnerait. Pêche à l'arrache. Non mais là je comprends plus rien. Là je suis au fond du trou là. J'ai mis la nuit, parce que peut-être que je verrai mieux la nuit, mais non. Bordel, je suis dessus, quoi. C'est ça qui me rend ouf, en fait, c'est que je suis vraiment dessus et... Oh bah je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas les amis. À droite? The fuck. Ah, vous foutez de ma gueule en plus. Mec, ça c'est pas un halo, hein, c'est le poiscaille hein, qui saute. Donc tu te calmes hein, s'il te plaît. Oh là là, les mecs me prennent pour un gros con en plus.
vous calmer maintenant. Ouais, bah alors, j'ai pas souvenir qu'il soit sur l'île du poisson, quoi. J'ai vraiment pas ce souvenir là. Mais bon, on sait jamais. Donc, comme on sait jamais, et que je suis quand même quelqu'un qui vérifie. Je vais descendre du bateau. Mais ça m'étonne. Mais clairement, non. Moi, je dis non. Je dis merci, mais non merci. Normalement, elle n'est pas là. Putain, c'est un gros con de... Oh là 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 là. Et je suis au fond du trou. Là-bas, c'est le poisson et on n'a rien aux alentours. Quel est ce foutage de gueule? Bon, mais je ne comprends pas. Pas là non plus. Oh là là, je pensais qu'on allait récupérer le premier, mais en fait non quoi. Oh là là, ça me rend tellement dingue. Le truc est tellement caché. Mais le pire, c'est que je suis pas taré quoi. Merci. Mais non. Alors là, si vous savez où est-ce qu'il est, clairement, bah, je suis preneur parce que il est pas là. Je me suis fait mitonnade. Je me suis fait mitonnade total. Bah ouais, normalement, ouais, non, mais je sais, Fabrice, c'est ça le truc, c'est que là c'est bugué, c'est tellement bugué quoi. Et là, c'est le plus gros bug de toute une vie, quoi. What the fuck, hein? Putain de merde, alors, bon, tant pis, on va bien se faire foutre ce morceau de Triforce, je veux pas le chercher, quoi. Moi, je finis pas le jeu avec cette Triforce. Ah, oh, reste là. Rien à foutre, je me casse. Sur Zelda. T'as niqué la game, toi. Bah écoutez, il est pas là, quoi. Ah, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Oh oui, Riley, bah non, mais non. Merci, mais non, t'es gentil, quoi. Genre le poisson qui me bait totalement. Hein. Il saute sur la Triforce, au moins je peux pas voir le halo. Mais ils se sont donné rendez-vous, ils se sont dit on va mettre un complot pour défoncer ce pauvre gars qui nous cherche depuis 3 heures. Merci, mais non, hein, tu te calmes. Donc là, j'arrive sur l'autre Triforce. Que là, alors, ouais, oui, c'est 14h. Je vais devoir lâcher l'antenne. Mais j'ai bien envie de voir si au moins, est-ce que je suis fou ou non. Est-ce qu'on va vraiment trouver au moins un morceau de Triforce, ça, des questions? Parce que vu comme c'est parti, bah c'est pas bien parti. Mais qu'est-ce qu'il fait alors là? Da fuck. Ok, non, il est droit devant. Alors à moins de... Je sais pas. La manette qui a vibré, je me suis dit, il y a un truc là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, normalement, je suis dessus. Alors, où est-ce qu'elle est cette Triforce de merde, une fois de plus? Elle est pas là. C'est des barres de verre.
T'es sérieux? Ok. Bon. Bah écoutez les amis, là ça reste le grand mystère de cette fin d'émission. Où sont les morceaux de Triforce? Ils ont disséminé d'une manière telle à ce que je ne pourrais jamais les retrouver. Je pense. Donc on verra ça. Normalement demain on pourrait terminer le jeu. À mon avis. Allez, il est 14h, je vais vous laisser. Je pense que c'est Chaka qui va reprendre l'antenne. Je vous embrasse, je vous souhaite bon appétit. Je mettrai la totalité du programme si vous l'avez pas vu, si vous avez loupé, si vous voulez revoir des moments, etc. Il n'y a pas de souci. Ce sera sur notre chaîne, comme d'habitude. J'irai à Skyhard, je vous envoie le lien. Ainsi que sur. D'accord. Et sur la page Facebook également. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y aura le concours pour le t-shirt Best BTU bientôt. Je pense aujourd'hui, on va le mettre en place aujourd'hui. Hop. Et je vous tiendrai au courant également de ce que je suis en train de faire, parce que là, je commence quelque chose. Top secret, attention, c'est hyper super génial. Voilà, et là, bien entendu, la page, la chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette émission, génial, avec une tête de con derrière, qui est celle de Dash, qui est plutôt beau. Voilà, ouais, Best BTU. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon appétit, ciao ciao tout le monde. Tu te calmes. Moi aussi.